c'est une énorme épine. Mais non. J'aime bien cette chanson, je l'entends pas souvent, donc voilà, c'est tout. Ça n'a pas d'importance. Hein. Non, mais je préfère le dire. Ouais, ouais, ouais. Je peux y aller. Ouais, ouais, c'est bon. Oui. Oh. À voter. Je prends la caisse. Il dit oui, c'est ça que je voulais savoir. Il dit pas diolo. Voilà. Celle-là. Il fait pouf. Ouais. Parce que l'été n'est pas ton homme. Oui, voilà, c'est ton homme. Moi, je sais pas s'il mérite. Ils sont trop grands, les trucs. Ah, ben oui. Ah, oui, c'est la colline. Eh, la ben hein. Oui. Ben non, mais oui, je dirais pas nous. Ah, oui, oui, oui. Ah, oui. Pour les musiques, c'est fini. À un certain moment, je vais la prendre partie. Ah, oui. Tu me vois pas? Mais non. Attends, je vais essayer. Je vois comment je ferai bien. Moi, je te vois bien, toujours. Bah, t'as pas dû mettre la caméra, mais bon, c'est pas grave. Ah. Hein. Et là, tu me vois? Non. Ah bah attends, c'est la caméra, là. Activez là. Ah bah voilà. Ça y est, là, tu me vois. Ah oui, voilà, c'est bon. Attends, je vais chercher ta mère. Ouais. Bon, et vous avez fait quoi ce week-end alors? Bah, pas grand-chose. Oh là, c'est... non, on n'a pas fait grand-chose. Eh ben, hier, on a été parce que Guillaume et puis Pascal, ils sont partis du côté de Gap avec la famille de Pascal. Donc, nous, on a été soigner les deux chats. Ah, d'accord. C'est tout ce qu'on a fait. Et le décompte est parti, Nathalie, bravo, en 20 secondes d'avoir fait ce résumé. 3, 2, 1, attention, il est 20h.
premières estimations de notre sondeur Ipsos Stochasteria dans PACA, c'est la victoire de Renaud Muselier, président sortant LR, 57,7% face à Thierry Mariani pour le Rassemblement National, 42,3%. On l'a compris, dans les Hauts-de-France, il va très vite parler, Xavier Bertrand, ce soir. 53%, il arrive largement en tête devant la liste de Sébastien Chenu pour le Rassemblement National à plus de 25%. Karima Delli, 21,4% pour Europe Écologie, Les Verts et La Gauche. En Auvergne-Rhône-Alpes, c'est Laurent Wauquiez, comme prévu, qui l'emporte, 55,9%. La victoire est ample devant la liste d'Union de la Gauche dirigée par l'écologiste Fabienne Grébert, 32,7%. Et le Rassemblement National, Andrea Cotarac, 11,4%. En Bourgogne-Franche-Comté, regardez, 42,5%. C'est le score de Marie-Guite Buffet, présidente sortante du Parti Socialiste. Les Républicains, Gilles Platret à 24,4%, Julien Odoul pour le Rassemblement National à 23,7% et Denis Thuriot pour la REM à 9,4% ce soir. Et on découvre les estimations d'Ipsos Stochasteria dans les 8 autres régions avec Guillaume qui commence avec une des 5 régions dirigées par un socialiste, le Centre-Val-de-Loire. Oui, regardez le résultat ce soir dans le Centre-Val-de-Loire, une région qui restera dirigée par un socialiste puisque c'est le président sortant François Bonneau qui l'emporte, 38,5% des voix selon notre estimation Ipsos Stochasteria. Notez que le ministre Marc Fesneau Modem arrive ce soir en 4e position. Dans les Pays de la Loire, eh bien c'est la droite qui conserve cette région. 46,3% pour Christelle Morançais qui arrive devant Mathieu Orphelin, 34,6%.